Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et durant cette petite heure, eh bien, je suis accompagné aujourd'hui de Julien Jourdain de Muison. J'ai réussi à le dire en entier. Bonjour Julien. Yes, cool, salut. Là, on me Bienvenue. voit là, c'est ça? On te voit, on te voit. Ok. Donc quand tu fais des grimaces, on te voit. Si tu bouges, on te voit, etc. Tout le monde est au courant et tout le monde va voir ce qui se passe Ça derrière toi, marche. autour de Je toi. suis pas stressé du tout. Mais faut pas, y a aucune raison d'être stressé. On va dire bonjour aux gens qui nous suivent dans le chat parce qu'ils aiment bien qu'on leur dise bonjour. Que ce soit donc pour les habitués, vous nous suivez sans doute déjà sur Behance, donc behance.net/live/fr. Et pour les nouveaux, vous avez peut-être débarqué sur YouTube et sur la chaîne YouTube Adobe France. Oula, j'ai du mal à le dire. Sur la chaîne YouTube Adobe France, voilà. Et du coup, si vous êtes avec nous sur la chaîne YouTube Adobe France, j'aurais tendance à vous dire, rejoignez-nous de l'autre côté, du côté Behance, on va vous faire passer le lien de la session. Comme ça, vous pourrez nous retrouver, on pourra regarder vos portfolios, on pourra savoir qui est avec nous aujourd'hui, etc., etc. Merci Pierre-Étienne d'avoir fait passer le petit lien. Ça nous simplifie la vie. Et donc, bonjour à Greg, bonjour à Tiffaine, Morgane, Pierre-Étienne, Loïc, Olivier, Daniel, Delphine, Nicolas, Jamila, Alexandre, Quentin et Camille. Ben voilà, il y a du monde. Tout Salut le tout le monde est monde. là, Ouais. voilà. Cool. Julien, si tu Yes. devais te définir en quelques mots, comment te définirais-tu? Ouais, donc je suis généralement je dis que je suis réalisateur, slash animateur, slash illustrateur, slash parfois motion model, slash cook. Ouais, Cook. je fais des Ah bah pizzas voilà, français, cuisiner, c'est des pizzas. important ça. Ouais, souvent les gens ils parlent plus de mes pizzas que de mon travail. C'est cool, c'est pas grave. Ouais, voilà quoi, dans les. D'accord, bah écoute, ça me semble pas trop mal comme grande définition. Du coup, aujourd'hui, moi, je te reçois pour comprendre un petit peu justement qui tu es, d'où tu viens, comment t'as fait tout ça. Et les gens qui nous suivent habituellement, connaissent un peu le principe et mes questions un peu bateau du début, les questions pour dérouler un peu tout ça. Et pour les habitués, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'After Effects, d'Animate aussi. Et si vous êtes là parce que vous aimez le motion et l'animation, vous pouvez regarder d'ailleurs dans les prochains sujets qu'on va traiter sur Behance ou sur la chaîne YouTube Adobe France. Vous allez voir qu'on a beaucoup, beaucoup de motion à venir, notamment toute la semaine prochaine, puisqu'on se fait 5 sessions tous les matins, pour le coup, elles auront lieu à 10h. On se fait 5 sessions qu'on appellera en attendant Motion plus Design, puisque ça a lieu à la fin de la semaine prochaine. Et nous, on a réussi à récupérer quelques-uns des artistes qui seraient avec nous pour pouvoir démonter un peu des projets. Donc rien à voir, enfin rien à voir. On n'est pas sur le contenu de Motion Plus Design, on profite juste de l'événement pour aller travailler un petit peu animation et motion. Voilà, c'était un peu ma minute de pub. Je me dis, Julien, que je vais partager ton écran. Comme ça, les gens vont Yes. voir un peu de quoi il retourne. Hop. Dis-moi, t'es en train d'entendre ces coups de marteau là ou pas? Non, du tout, aucun coup de marteau. Ah, ok, cool, parce que forcément, Bah, c'est forcément, il y a des normal, les travaux gens quoi. lancent des travaux. Moi, en général, j'ai des gens qui taillent leur haie en bas quand je fais des lives. Ok. Alors, Camille nous dit l'homme slash. L'homme Marie slash. DeWitt dit bonjour. Et tout le monde dit bonjour. Et tout le monde est très content. Et tout le monde est ravi de ça. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Pareillement. Voilà. Donc, on est sur ton site, Julien Jourdain de Muison. Vas-y. Yes. Ah ouais, ok, cool. Donc mon site, ouais, bon, j'ai pas mal de plateformes. Mon site, ça c'est mon petit portfolio. Il n'est pas méga à jour, mais voilà, au moins on va pouvoir. Donc ça c'est la page de présentation. Et là, on va pouvoir peut-être avoir vu un petit overview de ce que je fais, et du coup un peu de l'aspect. Une forme de mon travail, quoi, parce que du coup, bah, comme là on peut voir tout de suite, il y a de l'anime, pure anime 2D. Ça se filme live, complètement live avec Redouane Asloun, c'est le frère de Brahim Asloun d'ailleurs. Alors, je suis très nul en name dropping, c'est Ouais, tout? c'est boxe. Brahim Asloun, c'est D'accord. un gold medalist JO Sydney. Bah, ouais, D'accord, un de donc nos champions. de la boxe, d'où le scotch sur le nez. Ouais, voilà. Nickel.
voilà, bah, j'ai fait un petit bottle cap challenge, donc ça c'est moi avec mix, tu vois, donc ça peut, je peux faire du live mix avec la 2D, des trucs, ouais, dessin animé mix avec du live. Il y a ce film là avec le Kukri, bah, peut-être à un moment ça pourrait être intéressant d'en parler. C'est un truc vraiment différent, c'est fait en ombre chinoise, c'est hyper expérimental, donc où je suis un peu aussi toujours à recherche d'expérimentation, quoi. Donc ça c'est un truc. Il y a des trucs un peu, il y a du motion, il y a des trucs effets stop-mo, mais aussi effets magie en des trucs de live, que pas moi, des pubs, ça, alors ça je pense, ça c'est donc comme je disais, ça je pense c'est que les gens le connaissent de moi, donc c'était ce que j'avais fait pour Viceland avec Ninja de Diane Ford, qui était interviewé, qui parlait de sa journée chez Kanye West et Drake. Et ouais, de là aussi, bon, il y a pas mal de boulots qui sont nés de là. Mm-hmm. Mais au final, c'est peut-être que les gens connaissent le plus, mais c'est pas ce que je fais le plus. Hein. Je fais vraiment tout un tas d'autres choses aussi. Donc ouais, ça reste une partie des trucs. Du coup, effectivement, je vais en profiter pour poser une question aux gens qui sont sur le chat avec nous. C'est, est-ce que vous connaissiez Julien auparavant ou est-ce que vous le connaissiez pas du tout? Comme ça nous permet de voir s'il y a ton fan club qui est venu avec toi ou si les gens vont juste découvrir. Tu vas avoir le cœur brisé là. Attention, non, mais je sais que c'est dur. Hein, c'est pour ça que c'est moi qui lis les réponses. Ah ouais, tu filtres. Ah, complètement. T'as rien à dire, c'est que. Ouais. C'est ça, c'est genre, bon, les gens, finalement, désolé, mais. Non, ça veut juste dire que les gens qui te connaissent sont pas forcément sur place là maintenant. Ouais, tu leur sympa les gens qui me connaissent. Bah ouais. Ouais, pourtant j'ai fait des stories qui parlaient de cet événement. Tu vois. Puis les gens, ils avaient l'air de liker, ils ont mis des petites flammes, des sons comme ça, tu vois. Je sais pas s'ils sont là. Non, mais tu sais, et en plus, les gens vont essayer de te rassurer. Moi, tous les gens dont je connais le nom, je suppose que c'est pas les gens qui te connaissent, toi. C'est là qu'on triche. Tu sais quoi? Tu vas découvrir tout le monde et tout le monde va te découvrir aujourd'hui. Donc, parle-leur comme à des nouveaux. Formidable. Voilà, ouais, donc là on peut voir ma tronche ici, donc ouais, parfois je me mets en scène parce que typiquement là c'était des trucs de gestuelle un peu précise, et donc comme j'ai l'habitude de bouger, je suis en live, en stop ou en pixelation, voilà, j'ai tout le temps à faire ça, des pubs, puis McDo, bah tiens, on va faire un projet de Norman. Ah ouais, ça fait vraiment, vraiment un paquet de projets, tous différents en plus. Ouais, tous différents, des trucs pixel art. Ouais, j'avais fait un petit fan film sur Mad Max. Bah, c'est ça qui a fait que du coup, Viceland, enfin, c'est pas Viceland qui m'avait contacté, c'était Starburns Studio, c'est les gars de Rick et Morty. Suite à la machin. Soupa, bah tiens, ouais, donc ça avec mon associé. En fait, du coup, moi, pourquoi je m'appelle Julien JDM Banana sur mon Instagram, c'est parce que. En fait, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Bounty Banana, donc c'est un duo de réal. Mm-hmm. Et donc on fait pas mal de ces projets que vous avez pu voir, c'est des choses qu'on a fait aussi ensemble, et notamment on a fait une mini-série qui s'appelle Soupa, mm-hmm. dans laquelle je joue dedans. Alors je suis pas du tout comédien, donc ça a été un peu une torture pour moi, mais voilà, donc bon, on pourra peut-être faire un petit passage. Ah bah, carrément, je pense que là c'est un peu la journée où on fait des découvertes, où on teste des trucs, où on comprend un peu qui fait quoi, etc. Donc il ne faut pas hésiter, c'est exactement voilà, pour ça. Voilà, voilà, ça, il y avait le teaser Soupa. En fait, on avait pu faire la série parce qu'on avait fait un petit teaser un week-end, vraiment pour déconner entre potes, et ce truc il a buzzé, comment dire, il a fait genre, je sais pas, il a fait plus 1,5 million de vues en mois. Enfin bref, c'était assez cool. Et du coup, bah, les gens nous ont contactés, on a pu faire une série, donc c'est cool. Voilà, sinon des pubs, pub, la vélo, des choses, parfois ces trucs, je suis juste animateur, hein, donc c'est vrai qu'il faut regarder qui est crédité en fait. Ouais, là, machine de Rube Goldberg aussi. Ce sur quoi toi tu vas présenter, c'est vraiment les trucs sur lesquels tu es à la fois à l'idée, à la réale, tout ça. Voilà. Donc, et après, c'est vrai que plus on remonte dans le passé, en fait, j'ai vraiment plus commencé en stop-mo finalement, et notamment en pixilation. Donc là, c'est mon corps, c'est mes mains. Et parce que du coup, en fait, j'arrive à bouger image par image pour faire des effets de stop mo, et du coup ça permet de faire des effets de magie, etc. Donc ça a été un peu le
truc pendant pas mal de temps. Ah oui, je disais, j'ai même fait une machine Rube Goldberg, donc ça, c'est encore complètement différent. C'est la seule que j'ai faite, hein, c'est ça. Mais voilà, donc effectivement, on remonte et voilà, on arrive vers mes projets de fin d'études et des trucs comme ça. Et là, ça remonte moins, loin, loin. Ouais, voilà, c'est Alors, du coup, question un peu bateau, mais fin d'études, ça date de quand, ça? Ça fait combien de temps que tu travailles? Ça fait, je sais pas, ça fait 9, 10 ans, 10 ans. Enfin, je travaille aussi un petit peu pendant mes études. Ça va faire 10 ans que je suis sorti, 9, 10 ans que je suis sorti, je pense, un truc dans le genre. D'accord. Voilà, ouais, bah, du coup, oui, et bah, j'ai fait, pour ceux que ça intéresse, tu sais, j'ai fait les arts déco en animation. D'accord. Pour ceux que ça intéresse aussi, j'ai fait un échange avec la CalArts à Los Angeles. Donc, t'as passé combien de temps à CalArts? Un semestre. Un semestre. Et du coup, là, j'ai pas mal bossé la stop-mo, notamment, plein de trucs, en fait. Donc voilà. Après voilà, bon, je fais aussi de l'illustration. Voilà, vous pouvez voir, il y a des trucs. Il y a aussi des trucs. Si on a qui ont moins de 18 ans, il faut pas cliquer sur certaines choses. Et les gens vont deviner. Non, ouais, il faudrait que je mette c'est quoi NSFW là sur Fingerbang notamment. Voilà. Donc, mais bon. Vous pouvez mettre ça. Zombie Cookery, pareil, c'est un univers que j'ai créé là, justement avec mon associé Steven. On est en train de monter. À la limite, là, on a fait un bon teasing là, depuis 5 minutes. Je suis assez pour qu'on regarde un truc qui bouge ou un truc qui te plaît bien. Ou vas-y, dis-moi. Un truc qui bouge, ouais. Alors, on peut mettre. On peut mater quelques images de ça, je pense que ça peut être pas mal. C'est un peu le truc phare en ce moment, de ce que les gens connaissent de moi. Et bon, on va pas tout mater hein, parce que c'est long, mais voilà, en gros, c'était... Qui écoute The Antwoord dans le public? C'est le moment de vous manifester. Moi. Ouais, moi j'étais ouf parce que genre, moi je suis genre super fan de The Antwoord, je les ai vus en concert, machin, et... Du coup, quand j'ai reçu le mail, on a dit, c'est avec Ninja. Et non, je n'ai pas pu dialoguer directement avec Ninja. J'ai essayé, on m'a dit. C'est ça, chacun son rôle. Toi, bah, tu es là pour faire les images et tant pis. Mince. Donc, en fait, moi, j'ai discuté avec. En fait, il y a le réalisateur de l'émission, c'est Lance Banks, c'est celui qui avait fait les films Jackass. Ouais. Ça, c'est quelque chose avec quelqu'un. Et du coup, bon, c'était avec lui que je dialoguais. Et du coup, le studio, comment ça s'appelle, Starburns. Alors, j'essaie de trouver peut-être des images de. Ouais, des petites images. Ouais. Ça, c'est des images de basket et tout. Donc, en gros, c'est pas suranimé. C'est vraiment. C'était ultra. Fallait être très ingénieux, très économique parce qu'ils voulaient 6 minutes d'animation en 2 mois. C'est chaud. Et en 2 mois, ouais, tout ouais, seul, genre vraiment à partir. Pardon? En 2 mois, et toi tout seul dessus, quoi. Alors, ouais, je sais pas, le budget c'était moi tout seul dessus, mais en fait, c'était pas possible. Donc, non, bah, en fait, moi, ouais, j'avais vraiment de la chance. Mes potes ont pas mal de gens ont accepté d'être payés au lance-pierre. Du coup, j'avais pas mal. En fait, j'ai pratiquement rien animé. En fait, j'ai fait tous les dessins, les layouts et les trucs comme ça. Et après, ouais, les gens, ils animaient, mais j'avais des potes du board, de l'animatique, du compo. Enfin, voilà, ouais, c'était vraiment. En fait, au final, il y avait vraiment une grosse équipe et ça aurait été impossible autrement parce que je faisais nuit blanche sur nuit blanche sur nuit blanche parce qu'il y avait une tonne de trucs à faire, quoi. Après, c'était cool. Ils ont été vraiment. Ils étaient vraiment cool. Ils étaient vraiment cool, donc ils m'ont fait assez peu de retours. Du coup, je suppose que c'est toute la liste en dessous avec Steven Briand, Studio Qui Pique, Étienne Guignard, Dorian Nils. C'est ça. Et Hugo Louiset. Très bien. Ouais, bah, Étienne Guignard, c'est lui qui a fait les belles animes de basket et tout. Pour info, Étienne Guignard, c'est
il est à Los Angeles. Il est encore à Los Angeles. C'est un pote des arts déco, mais lui, il est allé chez Cartoon Network, Nickelodeon, c'est genre un bac d'animateur. Il était la border principale de Steven Universe et tout. Donc, ouais, big up. Ah, c'était Carrément. un film porno, voilà. Donc voilà, bah voilà, donc pas forcément tout mater, mais après on peut mater des trucs plus animés aussi. Je sais pas, est-ce qu'on, bah du coup ouais, pour l'anecdote, voilà, c'était un petit peu Le le Mad Max premier en mode petit, ouais. ouais, c'est l'arc et tout. Alors, Vous Pixel entendez Art en pas le son, plus, c'est vrai. ça va parler à Olivier Huard qui est derrière un site de Pixel Art qui est assez cool en France. Ok, cool. Donc voilà. Ça, Et ça, ça. ben, ouais, voilà, ça a été un peu un challenge pour moi de faire ce truc pixel en termes de contraintes techniques, comment garder les. Ouais, ça a été une petite phase d'exploration pour moi. C'est plus intéressant avec la musique, hein, donc je vous invite à le regarder parce que du coup, les 5 minutes sont calées. Ouais, c'est ça. Et Sont oubliez pas un ça. truc, pour les gens qui ont l'habitude de venir voir nos sessions, sont pas frustrés de pas avoir le son parce qu'ils savent que derrière, ils ont les liens. Donc les liens, on vous les a postés au fur et à mesure. Et vous pouvez toujours retourner sur le Discord si vous n'arrivez pas à voir tout ça pour retrouver tout le contenu, vous faire la version son et image. Donc c'est important. Voilà. Et ouais, c'est sur du Birdie Nam Nam et tout. C'était fun. Si vous voulez voir des trucs peut-être un peu plus animés, parce que donc je suis aussi animateur, genre enfin, pour des dessins animés, des trucs comme ça. J'ai pas forcément posté des trucs là, on va dire bien animés quoi. Mais sinon, là, on peut montrer un petit peu de, par exemple, Zombie Crew. C'est un peu à l'ancienne, c'était le début de ça, mais voilà, c'est de la ligne 2D un petit peu plus taffé, même si bon, je pense que je ferais mieux aujourd'hui. Mais c'est bien d'être capable de revenir sur des trucs que t'as fait il y a Ouais, longtemps et de pas être. et ouais, ça continue là. Donc ouais, c'est un univers sur un peu genre réseaux sociaux, médias et zombification. Et en fait, c'est un monde où en fait, les écrans ont absorbé le psyché des gens et se retrouvent dans une sorte d'alter monde, un alternet qui s'appelle le Zompire. Et en fait, ouais, c'est une sorte d'infection slash numérique. C'est un truc un peu Black Mirror, quoi. Et c'est aussi comment, voilà, sont morts via Internet et les réseaux sociaux et tout ça, mais aussi qui survivent grâce à ça. Voilà, c'est un peu, voilà, un truc un peu. Ah, ben, il y a Félix, on voit un petit bout de Félix. Ouais, donc, bah, typiquement, le genre de truc, bon, on va pas forcément le montrer là, mais des trucs genre animé, voilà, et puis Félix et le chat que j'avais réalisé et animé aussi, en mode genre, Mais carré, quoi, on va en mode dire. pour le coup, c'est pas Not Safe for Work, le Félix. Si 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 Ah, si, quand même. si enfin oui, on m'a donné un go, mais on m'a pas donné un très gros go, donc on sait pas, voilà, vous pouvez regarder si vous voulez de votre côté, voilà, mais si si on m'a donné un go, mais j'ai pas aimé comment ils m'ont donné le go, tu vois, Pas la confiance à 100%. Bon, c'est pas ouais grave. Pas grave. Par contre, juste donc en dessous, c'était ton projet Ombre chinoise, c'est ah ça? pardon, Vas-y. ah oui, ouais, et ben toujours dans Zombie Cookery, ouais, bah tant qu'à, restons dans Zombie Cookery. Et Zombie Cookery, ça a été finalement pas mal un lieu d'exploration. Donc, Il faut que tu me traduises un truc parce que zombie Koukri, qu'est-ce que ça veut dire Koukri? un kukri, c'est des machettes népalaises. Ouais, Voilà, ok. c'est des gros couteaux et c'est un peu genre c'est un peu son couteau, quoi. Donc voilà, donc là on est avec mon associé Steven en train de faire tout ça, et écrire c'est dur, écrire c'est dur, c'est l'enfer, mais bon, c'est ça. Ouais, on fait ça. C'est un peu genre les projets long terme, quoi. Parce qu'on fait aussi des projets. Bah, à la fin, je vous montrerai les projets qu'on est en train de faire ensemble aussi.
Ouais, parce que pour le coup, quand tu dis projet long terme et tout, quand on regarde le style et les différents éléments que tu as proposés, il y a des styles hyper variés dessus, y a des tas de manières d'utiliser les outils, il y a des tas de manières d'animer dedans. Tes projets Kukri, justement, c'est des choses que qui te servent toi d'expérimentation, mais que tu replaces dans le contexte d'une série, d'une suite. Ouais, voilà, c'est là, c'est vraiment, là, on essaie de construire l'univers, donc c'est vraiment juste, on donne à manger à l'univers, quoi. Mais après, l'expérimentation, elle se fait aussi à d'autres endroits. Bah, typiquement, la série qu'on avait fait avec Steven, Supa Supa, là où, pareil, on a pas mal expérimenté, surtout ici, live, 2D, etc. Et dans nos projets perso, donc c'est pas forcément, sont beaucoup de catalyse, toute expérimentation, mais voilà, c'est justement c'est tous ces projets hors pub qui nous permettent de faire ça, quoi. Donc voilà, ouais, j'ai quitté le truc, mais pour l'anecdote, en fait, tout ça s'est fait en fait avec des c'est en ombre chinoise, donc c'est des impressions sur papier, sur rodo, Total avec découpé derrière. ouais, découpé. Et moi, je suis là avec une petite lampe torche, une mandale, enfin, ouais, des filtres rétro-proches même. Du coup, c'est vraiment, on a juste installé tout un tas de trucs et on a fait des images. C'était en fait de raconter une histoire, bah, finalement sans anime, juste avec du posing fort et des effets de lumière. Et voilà. Bah, en fait, mes filles ont une sorte de petit théâtre de lumière comme ça, avec des illustrations faites par Stéphane Blanquet. C'est très cool. Et en fait, en racontant les histoires, j'ai fait, ouais, j'ai vraiment un truc à faire là, pour faire des effets strobes. Voilà. Du coup, ouais, parfois les idées naissent choses. C'est marrant du coup, donc ouais, t'es parti, enfin tu nous as présenté beaucoup d'animes purs, et là tu arrives au théâtre d'ombre, donc fabrication, rajouter des trucs à la main, etc. C'est le fait de manier autant de médias différents, d'avoir autant de casquettes dessus. Comment t'arrives à t'organiser, à te retrouver dans le travail? Bah en fait, moi personnellement, tout va très bien, j'ai une idée, je le fais et tout, mais après, effectivement, en termes de représentation, disons professionnellement, je pense que les gens ils me connaissent vraiment pour des trucs assez spécifiques. On m'appelle. Ouais, on m'appelle souvent, genre, bah, j'ai vu tes trucs, interviews, dessins animés, machin truc, ou j'ai vu tes trucs en stop-mo, ou j'ai vu tel truc d'anime. Il n'y a pas vraiment de. Ouais, les gens, ils considèrent, je pense, bah, sûrement, mais j'ai pas l'impression que, enfin, la plupart des gens ne me considèrent pas vraiment comme cet ensemble de trucs, mais plus genre. Ouais, ch ch chacun te met dans une case et c'est plus facile après à aller piocher le sujet dont ils ont besoin, quoi. Ouais, voilà. De toute façon, c'est souvent genre, on veut ce truc, mais avec le logo. Voilà. Ouais, voilà, quoi. Donc, après, en termes de. C'est vrai que je crois qu'il paraît, et je pense que c'est vrai que c'est pas mal quand les gens arrivent assez bien à te mettre dans une case en tant que réalisateur. Et clairement, moi, c'est pas le cas. Et en fait, enfin, je me suis vraiment posé la question de bon, est-ce que j'essaie de compartimentaliser mes trucs, ou et enfin, en tout cas, là, j'y arrive pas. Je suis trop comme ça, en fait, pour être autrement, quoi. Et je pense, ouais, j'ai un peu eu l'angoisse du toujours la même chose. Ouais, me dire genre. Je vais toujours faire ce genre de truc où on va bosser sur ce truc pendant super longtemps. Ça m'angoisse souvent un peu, donc j'ai vraiment besoin de tourner, quoi. D'accord. Ouais, c'est mais de toute façon, je sais qu'on a des profils très variés sur les sessions Adobe Live et qu'effectivement il y a le je fais qu'un seul truc et le je fais plein de trucs. Hier, on recevait Tiffaine Breton qui partait dans tous les sens aussi de la grosse gestion de projet à l'anime, etc. Il y a toujours justement ce besoin de continuer à expérimenter, ce besoin de continuer à créer en permanence, quoi.
Ah bah, peut-être je peux vous montrer aussi vite fait, là on parlait, donc on a montré quelques types de trucs, bah, tout ce qui est de la Pixie, tu vois, pour les gens peut-être qui ne connaissent pas Voilà. Je forcément, fais je mon peux... sondage habituel. Hein. Ah oui, Pixilation, pardon. ça parle à quelqu'un ou pas? Parce que moi, quand tu me dis pixilation, en fait, je pense à Angry Kid chez Hardman. Mais vas-y, montre-nous ce que Ouais, tu as dans la main. ouais, je crois pas qu'elle sait... Angry Kid, tu J'ai sais, pas c'est une un espèce culture... de gamin avec les cheveux orange complètement barrés sur des tout petits épisodes. Mais Ok, ouais. voilà. Il faudrait que je check ça. Bah là, en gros, pixilation, c'est, bah, on va dire, stop-mo avec le corps, quoi. Ouais. Et du coup, bah, là, ça, c'est ça c'est une pub, bah, pour Pico. Et voilà, donc, on peut voir tout ça. Je bouge à chaque fois, image par image. Du coup, ça permet de faire des trucs de magie, sans que ce soit de la 3D. Donc, ça reste chaleureux, ça reste crafty, sans que ce soit non plus... hyper parasitant parce que l'animation se trouve trop, enfin voilà, donc et c'est ouais, c'est physiquement c'est l'enfer, hein, c'est vraiment Parce que là, tu es obligé de tout tricher. La feuille qui descend, elle est. ouais, bah, C'est. il y a des fils de fer et tout ça, et du coup il y a un animateur qui Donc ouais, quand il y a des animes comme ça, je suis obligé d'avoir un animateur parce que moi, il faut que je tienne la pose, quoi, et que je prie que. Et là, j'ai vraiment dû tenir image par image un truc glacé. Hein. Ça c'est de la vraie glace que j'ai taillée, et c'était l'enfer. C'est comme des lames dans ma main là. Enfin, donc ouais, c'est hyper zen. Pas hyper zen, c'est un exercice où il faut être hyper zen et rentrer de méditation, etc., etc. Et voilà quoi. Écoute, pas Et mal. voilà, voilà. Et après, bah, du coup, j'ai. Tiens, bah, petite big up à mon associé Steven Briand. C'était un peu le début de notre collaboration, Friction. Et du coup, donc, Steven qui a réalisé, et c'est moi qui fait le danseur. En fait, moi je viens des arts martiaux. Je fais pas mal d'arts martiaux. Et du coup, c'est pour ça que Steven m'avait contacté. Parce que, enfin, lui aussi, il vient aussi des arts martiaux. Il voulait martial, mais que ce soit danse quand même. Donc j'avais une coach de danse D'accord. pour me préparer à ça. Et donc voilà, ouais, c'est ces mélanges de live avec des moments pixilation. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Papier découpé. Enfin bon, voilà, c'était fun. Et ouais, c'était le début de notre aventure. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce truc, ils l'ont passé sur Times Square. Ah, carrément. Pendant, ouais, c'est cool, pendant un mois, ils nous mesurent sur plein d'écrans et tout. Du coup, on est allé à New York, on est allé voir ça et tout. C'était assez fun, quoi. Donc, Tu on sort du. t'es refilmé devant pour faire des Ouais, stories de ça? j'ai fait la photo avec des touristes qui me regardaient. C'est moi. Bref, c'est le début, tu sais, Bah, il faut se lancer, de tout ça, hein, tu vois. Donc, il faut profiter de ces moments de gloire. ouais. Donc, on peut voir un peu avancer. Ah, c'est chouette. Et Ah bon. une anime comme ça prend combien de temps à mettre en place? Parce que du coup, vous êtes trois. Il y a Steven, tu disais, pour le début, une coach danse, plus toi. Ouais, puis bah il y a Chef Hop, il y avait plusieurs animateurs aussi par moment. Ouais, ça va, il y avait plusieurs animateurs par moment quand il y avait trop de papier sur moi et qu'il fallait aller vite, etc. Donc, au final, il y avait pas mal de monde. En termes de tournage, je sais plus combien de temps de tournage on a fait, peut-être 2 jours, je sais pas, 2 3 jours. Et après, Steven, il avait aussi animé en double passe tous les petits bouts de papier. Donc, il en a eu pour masse de temps aussi. Donc, voilà. C'est l'art de faire bouger les post-it, mais à un niveau beaucoup plus poussé Ouais. encore. Donc, voilà. Ouais, je crois qu'on a abordé un petit peu les trucs. On a vu de la 2D, de la stop-mo, on a vu du live. J'ai montré du live. Non, du live, bah, à part la danse, mais qui du coup est plus stop-mo Ouais, que. Ouais. Non, pas du live. Vas-y. bon, là on peut montrer un petit truc. Là on voulait juste se faire kiffer, donc bon, c'est un truc qu'il faut regarder avec le son aussi, parce qu'il y a tout un jeu sonore. En fait, il y a le son qui raconte une histoire et le visuel qui en raconte une autre. Et là on voulait juste se faire kiffer, genre la neige, le toit, le soleil qui se lève. On en avait un peu marre de bouger des
papier pendant des heures, sortir un peu des trucs. Voilà, donc, petit projet comme ça, on se fait kiffer, puis ouais, c'était cool avec Redouane, boxeur, super boxeur et super, super être humain aussi, super cool. Donc voilà. Et ben ouais, après, si après on pourra regarder d'autres trucs en live, parce que du coup on a deux projets perso sur le feu, avec ben, Steven et un autre pote, Joe, qui sont beaucoup en live, avec un peu de 2D pour l'un, donc voilà. Mais ça, on peut peut-être regarder après, parce que c'est. Ouais, carrément. Du coup, le public me renvoie quelques petites questions. J'ai Delphine qui nous demande techniquement, ça se passe comment, vidéo et. Pour le, on était sur le, au moment des post-it. Ah sur, ouais. En gros, c'est Steven qui faudrait qu'il me redise, mais je crois que du coup on avait tout filmé le live et le post-it sur moi, mais rien sur le mur blanc. D'accord. Et en fait, du coup, il a refait un deuxième mur à un peu plus petite échelle. Et il a mis en sur je sais pas si c'était Ravon ou quel logiciel en fantôme la vidéo qu'on avait faite pour qu'il ait en fait mes gestes exactement qui puisse se caler dessus du coup de filmer et projeter en vidéo dessus voilà. Et après faire l'intégration des deux. C'est ça. Sauf c'est à certains moments parce que parfois on voit l'animation dans des angles un peu bizarres et ça c'est possible que en fait qu'il ait animé le truc. Moi je prenais une pause et voilà. Mais bon, ça remonte, hein. c'était il y a 10 ans, ce truc, je crois. Voilà. Je te sens chercher, du coup, je vais essayer de te guider avec une question d'Anthony Masson qui nous dit. Question, il a peut-être raté l'info. Est-ce que en plus de tout ça, tu es musicien ou sound designer et du coup, est-ce que tu réalises tes musiques et tes sound design? Non, je suis pas du tout musicien. Beaucoup Steven l'est lui. Enfin, en tout cas, il a fait le conservatoire machin, donc souvent il a plus de guide là-dessus. En sound design, je peux faire, mais j'en ai fait un certain des films, typiquement un truc de le premier truc de zombie que je vous ai montré, c'était moi qui l'ai fait, j'ai fait dans After, c'est un truc de sagouin. Hein. Donc voilà, mais non, mais l'autre truc zombie, ça a été fait par celui-là, Christophe Ménassier, big up à lui, qui a fait la musique et le son là-dessus, trop bien. Et ouais, il est super bon. Super bon ouais, parce que en dehors de Steven, avec qui maintenant vous êtes associés, enfin, ou en tout cas vous travaillez tout le temps ensemble, est-ce qu'il y a des. Dans les équipes que tu montes, c'est. Tout le temps les mêmes têtes, vous vous êtes cooptés, est-ce que tu changes beaucoup, est-ce que les gens changent beaucoup derrière? Ça reste quand même souvent la même famille. Ça change parce que parfois, effectivement, il y a peut-être des projets qui sont un peu plus orientés stop-mo, et dans ce cas, on va rester un peu dans notre famille stop-mo, où on est vraiment une petite famille, du coup, voilà, ça va toujours un peu tourner entre nous. Et après, voilà, y a des gens qui apparaissent, qui disparaissent, voilà, qui changent aussi de... Au fil des prods, ou tout simplement parce qu'eux ont du boulot derrière. Et ça change. Et du coup, pareil pour le live, et du coup, on fait des projets perso. Parfois, en fait, en fonction de ce qu'on veut raconter, on sait que, bah, tiens, peut-être ça va plus l'air à plus fitter tel chef op, des trucs comme ça. Donc, ça reste quand même une famille, mais voilà, après, c'est pas, il n'y a rien de forcément acté. Et même Steven et moi, on ne bosse pas tout le temps ensemble. Alors, on fait nos projets perso à côté aussi, et puis même nos pubs à côté aussi, chacun de son côté. Et voilà, quoi. Donc, c'est. Du coup, la question qui reste, c'est quand est-ce que tu dors? Alors, ouais, ça, c'est une vraie question, en fait, parce que, en fait, mon problème, c'est que j'arrive vraiment à ne pas beaucoup dormir. Et je peux très bien fonctionner, tu vois, sur une 3 heures, 2 heures, ou même pas dormir, je peux fonctionner, pas éternellement, hein, mais le problème, et le truc, c'est que là, j'essaye quand même de mener une vie plus saine et
Et équilibré, je suis un surtout au niveau de peu. l'alimentation, Ouais. j'ai vu. Ouais, donc, elle est... ouais, mais c'est des pizzas, mais elles sont maison. Hein. Donc, ouais, non, c'est vrai que les pizzas, c'est du gluten, c'est du lactose, c'est des tomates, C'est très bon pour la machin. santé, t'inquiète. Donc, ouais, je sais pas, mais. Mais non, mais toi, mais c'est vrai, tu vois, j'essaie malgré tout de penser à ça, parce que quand on sort des études, on est en mode, ok, je vais juste jamais dormir, comme ça, je travaille au max, et comme ça, je génère des films, de l'argent et tout ça, et une réputation. Et maintenant, il faut que, ouais, faut Il faut que tu que je vois. structures. Ouais, il faut que je structure. Ouais. Je fais jeûne par intermittent, c'est de faire un peu de sport tous les jours, un peu de. Bon, je fais des arts martiaux, bon, il y a eu le Covid, c'était compliqué, m'étirer et tout ça. Et le. M'hydrater plus, bah, c'est débile, hein. Moins de sucre. Mais le sommeil, c'est vraiment mon. C'est vraiment. C'est mon némésis, quoi. Il faut vraiment que je prenne ça sérieusement. Et j'y arrive un peu mieux, mais je suis toujours tellement tenté de le faire parce que je sais que ça va. Pas beaucoup, ça va aller, mais je sais qu'au long terme, ça va me revenir, ça va me revenir derrière d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, non, mais voilà, si je veux Donc continuer fais à travailler, si je veux attention, continuer à franchement. travailler, il faut que je fasse ça. D'accord. Tu m'avais dit tout à l'heure, quand on a regardé la session, que tu allais peut-être aussi faire un crochet sur ton Instagram, sur lequel du coup tu consignes au fur et à mesure ce que tu fais, à la fois du croquis, de la photo, parce que la photo aussi c'est une partie de ce que tu réalises. Ouais, comme je te disais, ouais, pour les gens qui. De toute façon, pas forcément, mais ouais, la photo, c'est vraiment un. Je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est mes photos. Et c'est genre, c'est un flop total, quoi. J'ai aucun followers, personne. Alors attends, comment sur l'Instagram photo? Mais mets-toi sur l'Instagram photo, on va Ah, sur publier le Instagram photo. lien. Ouais, non, mais attends, comme ça, tu dis j'ai aucun follower, tu vas en gagner au moins 90 aujourd'hui. Hey, 90 aujourd'hui, c'est bien ça. Salut! Ouais, vous pouvez, du coup, voilà, Moonshine Cheddar, j'ai fait un petit truc séparé juste pour mes photos, parce que moi-même, j'avais envie de prendre du recul sur mes photos et voir ce qui était mon travail en photo. Donc, j'ai fait ça. Donc, ouais, j'aime bien me plaire, j'ai pas de followers, c'est pas très grave. Ça, j'endors la nuit, hein, c'est cool. Mais du coup, voilà, donc. Écoute. J'ai tout un stock de photos que je ne publie jamais. Donc voilà, je sors des trucs et parfois ils sont très vieux. Donc ça, c'est mon Insta photo. C'est mes parents d'ailleurs, pour info. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, ouais, je suis métisse. Hein, on peut voir ma maman hein, chinoise. Singapourienne, exactement. Voilà, à gauche. Et voilà, donc Singapour. Bah, il y a pas mal de photos de Singapour. Je pense que c'est là où je me suis le plus inspiré en termes de. En termes d'esthétique, en termes de lieu, c'est toi qui fais les décors dans tes animes ou il n'y en a pas toujours, enfin, ou quand il y en a en tout cas? Ouais, alors, oui, je l'ai fait. Bah, typiquement, par exemple, sur Viceland, le truc de Ninja, là, Viceland. Alors, en gros, j'ai mis en place la DA et genre comment sera traité le décor. Et après, le reste des plans, c'est des croquis. Et en fait, bah, c'est mon pote en fait, qui est super bon en layout, qui a repris mon style, etc. Donc, les gars du studio Kipik. Donc, shout-out à Studio Kipik aussi. Hein. J'ai mon bureau dans un studio à Paris. Il s'appelle Studio Kipik. C'est des gars de ma classe, en fait, des arts déco. Et bah, un peu comme moi, ils sont assez protéiformes aussi. Bah, je pense que beaucoup de gens des arts déco. Et eux, ils étaient carrément opés de m'aider, d'aider sur ce projet. Donc, on bosse souvent ensemble, c'est cool. Donc, voilà. Et ouais, pas mal de trucs. Pas mal de trucs. Bon, ouais, je vous laisse. De toute façon, je m'inquiète pas trop. En général, on a des curieux sur la chaîne et les gens viennent, reviennent, recliquent un peu plus tard, prennent le temps d'aller découvrir. Caroline Atia nous demande, est-ce que c'était les Arts Déco de Paris ou de Strasbourg? Paris. Paris, et du coup, en quelle année? À peu près. Enfin, elle l'a pas demandé, mais moi, je Du demande coup, pour savoir si on ouais, les connaissait ou pas. bah, je crois, je, ouais, je suis sorti en 2010, je crois. Je crois. Les arbricots aussi?
Oui, Caroline Attia, elle a fait pas mal de courts-métrages, elle fait beaucoup d'illustrations aussi, et elle est intervenue une paire de sessions avec nous, oui, comme elle dit, sûrement bien après moi. Elle en est sortie en 2004, donc tu vois, c'est les anciens, Ouais, des 2004, générations. c'était ouais, c'était mon bac. C'est ça. Ouais. Bien, voilà. Donc, voilà. Non, mais c'est cool, c'est Ok. très très bien. Donc ça y est, on va essayer de faire monter ton moonshine cheddar et comme ça les gens viendront regarder tes Ok, photos. cool. Mais vous pouvez aussi vous abonner à Julien JDM Banana. Tout à fait. Voilà. Et vous pouvez voir mes stories. On peut mettre des stories là? Bien sûr, vas-y, Ça marche là? vas-y, je kiffe tes stories. Ouais, petite story pizza. On C'est va faire ça. mes pizzas. Bon, on va passer vite, hein. Bon, il n'y a pas eu l'étape de prématuration, mais en fait, il y a une étape que je dois faire la veille et tout. Donc voilà, on met le sel après un certain. On ne le met pas tout de suite. Arrête, on est en train de perdre tous les intolérants au gluten. Ouais, désolé, hein, c'est genre masse de gluten. C'est le gluten qui fait qu'en fait, il y Qui a de fait que la pâte l'élasticité est tiens. dans. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Tac-tac-tac. Mes Y a Caro petits qui nous dit, moi je suis ingrédients. sorti en 2004, oui je suis vieille. Mais non, mais non. Et voilà, oui, on voit un petit peu mieux. Voilà. Et donc je mets la mozza après. Là, on voit que ça gonfle bien. Donc celle-là, j'étais bien content de celle-là. Je mets vraiment la plaque bien, bien haut pour que, et en mode grill, tu vois, parce que j'ai envie de choper ces petites traces noires, la petite amertume du brûlé comme ça. Elle est peut-être un petit peu trop cuite, mais là, tu regardes à l'intérieur, c'est quand même bien alvéolé. C'est quand même. Ouais, t'entends? Ah, il n'y a pas le son, Mais non, il n'y mais a pas le t'entends le son. son Toi, de ça. tu l'entends, nous on l'entend Ouais, pas, mais je l'ai moi je entendu sur l'entends. le. Mais ouais. Écoutez le son parce que c'est ça, tu sais que c'est une bonne pizza au son en fait. Vraiment. Ce que tu mets au milieu, bon, c'est. Voilà. Ah oui, ça, petite technique pour les gens qui font des pizzas. Après, je suis Le genre, on passe à autre bisou chose. Hein. de la Tu fais pizza. le petit bisou, elle, je sais pas si tu connais ça, tu fais Mais le petit alors, bisou. j'ai découvert avec toi hier, hein, sur Ouais. les stories. Et du coup, voilà, ça. Et du coup, elle fait un peu aéroglisseur Sur la sur ta planche. planche. Nicolas Gillon nous demande, est-ce que tu feras une animation pizza en stop motion? C'est pas prévu, c'est pas prévu. Ça va être trop long. Mais c'est oui, pourquoi pas. Peut-être que quelqu'un va me contacter pour faire une émission pizza en stop motion. Voilà. Bon, je coupe. Hein. Et il y a d'autres recettes aussi. Mais sinon, ouais. Donc mon Insta, ouais, bah, vous pouvez voir un peu. Pour l'instant, du coup, c'est du quotidien, c'est du crayon, Ouais, du ouais. croquis. C'est ça. Donc c'est finalement pas mal de trucs de carnet. Et puis du coup, j'ai un peu ce truc de mise en scène où en fait, je prends le carnet, c'est moi qui tiens le carnet. Et puis après, photo un peu plus zoomé. Je sais pas. Je trouve que ça rend un truc un petit peu plus sympa. Voilà. J'ai quand même des photos parfois, ça m'arrive. Donc c'est ouais, c'est beaucoup 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 de croquis quoi. Et pour le coup, c'est du quotidien, tu dessines de manière compulsive tout le temps, en plus de ce que tu sors déjà? Ouais, j'essaie de lire plus, du coup je dessine un peu moins dans mon carnet, parce que du coup là j'essaie de lire, mais quand je lis pas, j'essaie de dessiner, quand je m'endors pas sur mon dessin ou mes livres, parce que c'est ça aussi, ça se passe souvent. Et en fait avec le confinement, bah, du coup moins de transport, du coup peut-être moins de dessin. Mais là il y avait l'été, il y avait la plage. Donc voilà, je pose des trucs, ça c'est pas moi qui fais une photo de moi, mais c'est pas moi qui fais la photo, même s'il n'y a pas un Nolan pour la Donc toujours du photo. travail d'équipe, quoi qu'il advienne. Voilà. Ah bah tiens, voilà, bah ça c'est. Bon, on parlera ça tout à l'heure. Je sais pas si vous reconnaissez, c'est Vincile, là, Focus. Et Ah du oui. coup, bah Steven, moi, et sur ce projet aussi, un autre Coréal, Jao. Et voilà, on a fait un petit projet avec Vincile. Luc, si vous avez besoin d'un assistant réel, Luc, l'homme de la situation, shout out to Luc, que je Vincile, prends. moi je l'ai découvert sur les 36 Days of Type. Parce qu'il avait il y avait une animation par jour sur Ouais, des ouais, ouais, typos, ouais, ouais. avec Ouais, ouais, ouais. énormément de styles, de thèmes différents, c'était complètement fou. Ouais, carrément. Ah oui, tu connaissais. Ouais, c'est parce que ça, c'était récemment, ça. Ouais, c'est Ouais, l'année ouais. dernière. Ouais. Et après, Ouais, tu vois, il y ça. a des Ouais. tas de gens dont tu as déjà vu une fois ou deux le travail sans forcément mettre de nom dessus. Mais c'est venu justement après sur le. Voilà, via le 36 Days of Type parce que j'étais à fond dedans. Donc. Yes. Cool. Voilà, bah, il y a des photos de plateau. J'ai fait un peu d'illus. Bah, on m'a demandé des illus pour le coup. Ouais, je fais un peu d'illus à l'occasion.
Voilà, j'ai quand même calé un petit peu de photographie quand même sur cet Insta. Je sais pas comment j'ai. C'est un peu le problème, tu sais pas, il faut trouver des règles de jeu à son Insta et en fait j'y arrive pas. Ah, ça c'est marrant, je peux peut-être vous montrer ça, c'est un truc que j'ai fait il y a super longtemps. J'étais chez mes parents, j'étais étudiant encore, c'était pour une sorte de. C'était même pas, c'était une compétition organisée par une marque de Airsoft, des pistolets à billes, quoi, ils faisaient des grenades Airsoft et du coup j'ai participé à un concours. J'ai gagné le concours d'ailleurs. Mais en fait, j'ai retrouvé la vidéo et régulièrement, cette vidéo-là, elle est repostée. Elle a 12 ans, cette vidéo. Elle est repostée sur différentes plateformes et en fait, elle fait sa vie toute seule. Et voilà, de temps en temps, alors ben là, c'était Live Leaks, mais après, voilà, on la retrouve. Et c'est moi, en fait, je suis en train. La qualité est dégueulasse. Normalement, c'est un petit peu mieux, mais ça devait faire vidéo à la maison. Et en gros, ils ont coupé le début et la fin, mais en gros, c'est genre je m'entraîne à la grenade avec des canettes. Avec des canettes, donc tu vois, je suis habillé. Donc c'est moi à l'image. Hein. Et du coup, je suis habillé en soldat. Et trucs, et après, en fait, ça part un peu en live. Et je crois qu'on va. Ouais, tu vois, et du coup, c'était un peu mes débuts dans les effets spéciaux. On voit pas très bien la canette, vu que la résolution est super crade. On la voyait un peu mieux avant. C'est des choses, même si c'est des vieux projets, c'est des trucs que tu gardes quand même sur un Vimeo ou autre à destination du public en bonne qualité ou tu les. Je sais pas si. Non, je crois que je ne l'ai même pas sur mon Vimeo. Ouais, il faudrait peut-être. Que. Il est sur mon peut-être YouTube quelque part. Je crois qu'il est peut-être sur YouTube quelque part bien. Mais ouais, non, c'est vrai. Enfin, je le mets parce que ça me fait marrer en fait de voir ce truc qui continue à faire Continuer ça. à vivre tout seul et revenir surtout. Voilà. Et ouais, revenir comme ça des années plus tard, c'est marrant. Donc voilà. Du coup, Écoute, c'est cool ça, ouais, ça plaît bien. Tiens, il y a Nicolas, ton cousin, qui dit qu'il est fier de toi. ah sérieux, t'es là, Nico? Waouh, cool. Eh bah ouais, bah moi aussi, je suis fier de toi. Je t'aime. C'est C'est beau, beau, c'est bon. c'est beau. Et Anthony nous demande, est-ce que les pizzas sont faites avec Adobe? Ouais, c'est Adobe Pizza. Tu peux le télécharger sur le cloud. C'est ça. Moi, je vous recommande Aero pour les pizzas. Ça fait comme de la vraie pizza, mais en réalité augmentée. À la fin, t'as toujours faim. Mais t'as vu des trucs cool. Oui, vraiment bizarre, réalité augmentée. Ben, ça fait pas que les pizzas, hein. Tu fais tout ce que tu veux en réalité augmentée. Donc pour les animateurs, il y a encore un peu de boulot dessus, mais tous les gens qui ont des images, genre tu prends un fichier Photoshop, tu l'exploses sur différents plans, et tu dis à quel endroit il va se déclencher, est-ce qu'il y a de l'anime et tout. Ça, c'est assez rigolo. Ok, ah, c'est cool. Ah, et oh. Bah, un petit, ça c'est marrant, les petits timelapses de moi en train de bosser pour des chips. Mais alors du coup, ça c'est toi en train de bosser. Tu m'as dit que tu avais un Ouais. projet très récent en ce moment avec Steven, sur lequel tu avais du Ah oui, contenu à montrer. Vas-y. ouais, je peux montrer un peu de ça. Bon, après, je vous laisse aller sur le. Ah, Robert Bennett, pour ceux qui connaissent. Prof de mine, super prof. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc, oui, donc avec Steven, on a des projets perso et Steven et Jao. Bah, je peux vous montrer peut-être dans la story, là, c'était le tournage, du coup, c'est un projet là, le working title, c'est Strobe. Et donc, en gros, c'est un truc de danse avec des effets de lumière, rouge, la fumée, bleu, bon, voilà, des trucs comme ça. Et avec aussi notamment de l'anime partie dont je fais du shadow, on va passer. Donc, je vais vous montrer quelques images. Alors. Et là, c'est des trucs qui reprenaient un peu la série de photos que tu avais dans ces tons-là, elle vient de là aussi, je suppose. Ouais, c'était des photos que j'avais fait sur le tournage. Donc ça, c'est des images étalonnées. Et donc, on a vraiment joué la silhouette noire parce qu'après, je vais vous montrer, en fait, on fait de l'anime qui en sort et enfin, des sortes de des petits jeux comme ça. Donc, ça, c'est Eva qui jouait dans Soupa Soupa, Eva. Chorégraphie par Cathy et Machua, super chorégraphe. Qui de Queens, MIA, des trucs comme ça, genre le Royaume, enfin, Joan Leclerc, Moperelli, Animage, super chef, enfin, Be ça fait belle des équipe noms, encore une fois, quoi. mais belle équipe, quoi, tout ça chez Manuel Cam. Big up à Manuel Cam, Jean-Louis Manuel Cam, qui nous prête tout le temps son studio. Je sais pas si c'est trop cool, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est les images. Et en gros, voilà, par exemple,
Là, c'est un petit projet donc Animate. Et donc, j'ai fait en gros, j'ai fait disparaître Eva. Voilà, enfin, j'ai fait ça. J'ai transformé sa chair en fumée comme ça pour révéler son Désincarné. squelette. Voilà, son squelette. Donc voilà, c'est Garbage Mask, hein, le masque. Et voilà, du coup, on voit un peu mon ref. Et après, voilà, j'ai fait une petite Les passe. différentes étapes, c'est fou ça. Ouais, une petite passe squelette. Quand t'es sur ce genre d'anime d'ailleurs, c'est des choses. Tu les as envisagées en mode storyboard avant de filmer les fonds lumière réels. Est-ce que ça se passe comment? En gros, on savait qu'on voulait faire un truc avec de l'anime 2D. Mais après, donc, ouais, on savait qu'on voulait faire des trucs avec des silhouettes et aussi des trucs avec des effets de strobe. Mais on a rien bordé, en fait. On a fait une choré et on s'est dit, on va monter, on va faire le truc cool. Et avec le truc fini, on va voir, voilà, ce que ça nous inspire en 2D. En fait, comme la 2D n'a pas vraiment d'enjeu narratif, on n'était pas obligé de préparer en amont pour la compréhension du projet. Là, c'est vraiment un projet assez clipesque. Hein, on a pris une musique et on a une choré dessus. Et donc après, on freestyle. Et ben, ça, je crois que c'était les premières animes que j'ai faites. Je ne savais même pas qu'on allait faire des squelettes, même, tu vois, pour te dire. Je sais pas, je crois que c'est ce que ça m'inspirait. Tac, et du coup, voilà, tac, 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 image par image. Et là, pareil, en gros, on a fait disparaître le bras. Donc, j'ai fait des couleurs comme ça, mais après, comme dans After, tu choisis ta couleur. Donc, en gros, après tout ça, je l'exporte en SWF. J'aime bien le format. Et typiquement, ouais, pareil, c'est pas fini, on voit encore les masques, c'est un peu crade, mais du coup, on commence à mettre un petit peu de flou, un petit peu de grain. Ouais, tu parles Même d'une anime l'intégration qui est sera full mieux faite. vectorielle et qui finit par être intégrée comme un élément filmé, quoi. Ouais, c'est ça, l'idée, c'était un petit peu de. Bon, on sait que c'est de l'anime, mais c'était quand même de créer un petit peu ce truc un peu mystérieux, quoi. Donc l'idée, c'était quand même de. Ou la silhouette bien noire pour pouvoir jouer ce genre d'effet, quoi. Mais après aussi, on a des effets de flash. Enfin voilà, il y a pas mal de. Bah, il va sortir dans pas trop longtemps parce qu'en vrai, les effets, là, c'est un vieux projet, mais les effets, ils sont pratiquement tout terminés. Il y a juste du flame un peu à refaire. Et puis, je pense qu'il y a peut-être à la fin du mois, il y a que ça va sortir, du mois prochain. Voilà, et sinon aussi, quelques images du projet avec. Du coup, avec il y a aussi Jao qui est en coréal sur ce projet. Jao, il est genre superviseur à Fix Flame chez Micros, ouais, Fat Niveau. Et il était chaud de faire un film d'action aussi. Enfin bref, on est un peu tout dans le même délire. Donc là, je vais vous montrer juste les images. Il n'y a pas d'effet encore dessus. Pareil, là, on a envie d'expérimenter un petit peu sur des effets. Alors peut-être pas. Dessin animé 2D partout, mais voilà, un peu essayer de trouver des petites idées originales en termes d'effets. Mais voilà, si vous voulez voir en termes d'image, tiens, Vinci, le méchant. Voilà, Aurélia, donc comédienne principale, la star du film. Big up à Aurélia. Aurélia, elle est cascadeuse, mais elle est genre legit, elle est genre à trois ceintures noires, deuxième dernier, je sais pas pourquoi, elle est championne de. Enfin bref, salut Aurélia. Et elle est super belle en plus. Donc, trop cool d'avoir eu Aurélia sur le projet. Là, on a cascadeur, Alex, SAS. On a donc consultant militaire, ancien SAS. Donc c'était hyper cool. Sur ce projet, on avait genre un monde de ouf. Il y avait genre, je sais pas, 40 personnes sur le plateau. C'était vraiment cool. Alors c'est un projet bénévole. On a vraiment été blessed par la présence de tout le monde. Cascadeur, les consultants, la post-prod, encore Jean-Luc qui nous prête son studio, Steadicam de ouf, chef de l'écran. Toujours Et la Jean-Luc, famille, toujours la toujours cohabitation. Et j'en ouais, et j'en place. Ouais, mais bah, du coup, pas mal de gens. Le site du coup, il y a la bande magnétique qui s'appelle Hier Soir maintenant.
Pareil, aussi, copro sur ce projet. Enfin, bref, il y a tellement de monde que je vais zapper des noms. Je suis désolé pour tous les gens que j'ai zappé du début du podcast à maintenant. Hein. J'essaye, mais en vrai, je suis un peu stressé. Du coup, Il faut pas, il n'y a pas de raison. Il y a tout le monde est gentil dans le chat. Ouais, tout le monde est gentil. Puis après, il va y avoir des petits comments, hein. Tard, je ne sais pas. Non, mais c'est cool. Donc voilà, des images étalonnées par Nicolas Gauthier de chez Firme. Il n'y a pas Nico, pareil, toujours OP sur notre projet Firme, toujours OP sur notre projet. Donc c'est très cool. Ouais, voilà quoi. Des petites images que je peux vous montrer pour le moment. Écoute, c'est cool, c'est très très bien ça. Je sais pas s'il y a des gens dans le public d'ailleurs qui ont des questions particulières. Faut surtout pas hésiter parce que pour l'instant on a bien avancé, on a regardé un petit peu. Laurent Diossard nous dit moins de paroles et plus d'images, mais on a des images, Laurent. Ah, désolé. Ouais, j'ai une tendance à. Mais t'inquiète, c'est normal, c'est un peu le jeu. Ouais. Chacun vient découvrir. En plus, je pense qu'on en a vraiment pris plein les yeux là en termes de réalisation, en termes d'univers. Vraiment varié. Il nous reste 4 minutes. Donc 4 minutes, qu'est-ce qu'on peut regarder d'après toi? Oh, je sais pas, là, tu vois, là, il m'a dit plus d'images, du coup, là, je lance des images, du coup, tu vois. Ça, je pense que c'était la première pub, du coup, qui a découlé du truc Viceland. Parce qu'au final, j'ai rebossé pour Spotify et d'autres projets, mais ça a toujours été un petit peu c'était jamais vraiment des pubs. Et ça, c'était le premier truc, genre, c'était pour une banque. J'étais assez content de voir que, voilà, en fait, ce style peut se traduire aussi pour de la pub. Et normalement, il y a des pubs à venir. Là, il y a des pubs dans les tuyaux, je peux pas en parler. Mais si ça se fait, ouais, ça peut être vraiment très très cool avec des gens. Des gens brillants. Ouais, des gens. Superstars. Donc voilà, ça c'était Stéphane, pareil, toujours comment faire de la nuit, comment faire de la nuit économique. C'est normalement. Ah, tu m'as stressé avec tes plus d'images. T'as vu, t'as vu? Non, non, attends, on va poser une question plus zen. Combien de temps pour ce projet, le projet de pub? Généralement, les projets de pub, c'est quoi? Ça dure un mois et demi, 2 mois, des trucs comme ça. Là, ouais, je pense qu'il y avait peut-être 3 semaines sur la pub d'avant, peut-être 3 semaines de fab. Ouais. Mais avant, il y avait peut-être trois semaines de juste. De pré-prod, de rush. Ouais, c'est parce que tu reçois un script, tu breakdown juste à l'écrit de tous les plans, après tu le mets en board, idéalement, tu l'animatique. Tu te mets d'accord sur les layouts, le design des personnages, etc. Histoire de ne pas les refaire 4 fois après. Ouais, clairement. Donc, tout ce blabla en amont, il prend pas mal de temps. Tiens, oui, c'est un petit gif animé. Pareil, tu vois, j'ai expérimenté un peu les gifs. C'est Karine qui affûte son le tube à son flingue. Voilà, truc comme ça. Ouais, donc l'idée c'est vraiment peinture à l'huile aussi. Une peinture à l'huile en plus, mais en animé ou en fixe du coup? Non, non, en fixe. Encore faire. Peinture à l'huile. Ouais, j'aime bien des mises en scène parfois un peu bizarres. Le gymnase, j'ai pas un truc de gymnase. Parce que j'ai passé pas mal de temps. Voilà, puis en photo, non, si vous avez des termes. Photo, c'est ce qu'on avait regardé tout à l'heure, je crois. Bounty Banana, pardon. Ah bah oui, attends, on peut juste enchaîner. T'as voilà. failli oublier Bounty Banana. J'ai failli oublier Bounty Banana, je suis désolé, Steven. Oh là là là. Du coup, à Bounty Banana, on peut même. Je vous montre, je scroll un petit peu. Donc, il y a des projets que vous allez reconnaître, mais d'autres que vous n'allez pas reconnaître. Ça, typiquement, ça, Steven, il a fait de son côté pour Pixi, pour RTL. Plume, voilà, son projet perso, super beau. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont ça c'est Steven, les trucs qu'on fait avec Batelian, Youtuber, le tournage qu'on fait ensemble, tu vois, on est ensemble, les prix qu'on a eu pour Soupa, cool. Encore un autre projet, voilà, tiens, ça c'est nous deux sur je ne sais quel plateau de Stop More. On peut même aller voir vite fait, juste pour montrer en fait comment on passe sur l'Insta de Steven. En fait, ce qui est cool, c'est que voilà, on se rejoint pas mal sur la stop-mo, mais c'est vrai que lui, il a tout son univers live et moi, j'ai tout mon univers 2D, ce qui fait qu'après, du coup, on a un spectre assez large de choses qu'on peut faire.
Et donc, voilà, quand tu vas sur son... Bah, typiquement, quelqu'un qui a plus d'identité, je trouve que moi, tu sens assez... qu'il organise, il les organise par ouais, paquet. Tu vois, ouais. Steven, c'est le gars, il est organisé. Tu vois. Voilà, c'est du coup, on s'équilibre bien comme ça. Ouais. Et tu vois, c'est hyper charme, c'est hyper clean, c'est hyper beau. Donc voilà, donc, ça, du coup, ça fait qu'au final, avec Beauty Banana, on arrive à recouvrir un large spectre de... C'est cool, quoi. Mais écoute... ah, c'est marrant. Ah, bah, tu vois, c'est la chorégraphe, ça, c'était... Qu'est-ce qu'on avait fait de... avant le... Bah, ça... Et ça va partir en split screen. Vous allez voir la chorégraphe, ouais. Ouais. Ouais, ça, du coup, ça a donné le film Chimera. Parfait, cool, allez voir. Donc, voilà, ouais, Bounty Banana. Bounty Banana, moi, je suis Banana, lui, c'est Bounty. Donc ouais, ce sera le mot de la fin sur le ça. Mot de la fin. Et ouais, t'as vu, tu termines la dernière chose que tu dis, c'est pas Rosebud, c'est Bounty Banana. Ouais, Bounty Banana, ouais. c'est cool, bah c'est passé vite. Je suis vraiment désolé pour tous ceux que j'ai pas mentionnés, je vous jure. T'as mentionné les trois quarts des équipes avec lesquelles tu travaillais et t'as présenté des excuses aux rares qui auraient été oubliées. Franchement, je pense que tout va bien. Je pense que chacun saura se retrouver au générique et puis il y a pas plus de cachets s'ils sont là ou pas dans le générique. Donc tout va bien. Ouais, c'est pas comme les titres à la SACEM, ça marche pas pareil. Ouais. Non. Mais écoute, merci beaucoup, merci à tous les gens qui nous ont suivis dans le chat, aux quelques-uns qui ont posé les questions, etc. On se retrouve, bah, comme je vous avais dit en début de session, de tous les jours, hein, comme d'habitude, à 14h, avec une session spéciale demain matin à 10h. Pour les gens qui aiment bien le dessin, on va faire une session autour de Fresco avec Virginie Blanchet, que vous aviez déjà vu sur la chaîne. Et on va faire une session dessin avec du pas à pas, avec des petits trucs et astuces autour de Fresco. Ça devrait vous parler. On se voit demain matin. Merci encore, Julien. Merci à tous. Merci à toi, merci à tout le monde. Et à très bientôt sur Adobe Live. Bye bye. Yes, bye.